Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 25. C'est le jour J, c'est Noël. Hier soir, bah après je vous ai pas trop refilmé parce que bah, j'ai profité avec ma maman et mon chéri. Là je suis habillée, ça y est, I'm ready. On va chez ma grand-mère avec mon père, mon chéri, mon neveu et mon frère. Juste avant de partir, on va du coup ouvrir les cadeaux que mon chéri m'a offert. J'ai trop hâte. Et c'est parti pour ouvrir le calendrier de l'Avent The Body Shop pour la dernière case que j'ai pas oubliée, qui avait le numéro 25 ici. C'est lourd comme tout. Je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. On n'oublie pas Petit Moumoune qui est toujours là pour ouvrir mes calendriers. Et c'est parti. Oh, j'ai déchiré la case, non mais... Oh oui. On a un énorme beurre corporel. Ça doit être à la noix de macadamia, je suppose, ou amande. En plus, en full size, il fait 200 ml. Ouais, c'est ça. Trop contente, on termine en beauté. C'est mes cadeaux. Et ça, c'est les cadeaux du chéri. Je vais les ouvrir. Merci. Ah, trop bien. J'ai hâte. Bon, ça y est, on s'est offert les cadeaux. On est trop contents, on a trop bien choisi. Je vais pas vous montrer ça maintenant parce qu'en plus on est en retard. Il est midi 17, on devait être à midi chez ma grand-mère. Mais bon, heureusement qu'elle habite à côté. Donc on y va, c'est parti. Tati, viens voir les photos à papy Marc. Et oui, il va me montrer après. C'est quoi ces petites fioles? Où tous les beaux cadeaux? C'est quoi ça? J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez été bien gâtés ou que vous avez juste partagé un moment en famille, c'est le principal. Et voilà, nous on s'est régalé, mais je suis pleine comme une huître. On a trop mangé pendant 2 jours entre hier soir et ce midi. Je vais aller prendre la douche et me mettre en mode cocooning pour le reste de la journée, puisque demain je bosse pendant 2 jours. Je bosse le 26-27, je sais plus parler. Mais du coup je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël. Au lieu de faire une vidéo à part, je voulais vous montrer ce que j'ai eu dans cette vidéo, parce que franchement j'étais trop gâtée. C'est vraiment des cadeaux en plus que j'avais demandé. On sait vraiment pas qu'on allait encore me prendre déjà sur ma wishlist. Trop happy. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Je vais peut-être vous poser, ça sera mieux. Tout d'abord, trop contente, ça c'est mon chéri qui me l'a prise. La petite culotte tic et tac, comme ça, qui est vraiment trop belle. Qui est toute douce de chez Undies. Et ça, je vais être juste mais trop confortable à l'intérieur. J'ai juste trop hâte de la laver pour pouvoir la porter. Elle est trop chou, je la voulais trop. Franchement, c'était le truc que je voulais absolument de chez Undies. Dans tous les trucs que j'avais mis sur ma wishlist de chez Undies, j'aime trop les deux petites têtes de tic et tac sur le côté. Elle est trop mimi. Bref, j'ai eu également ma coque comme ça pour mon MacBook. Mon chéri s'est gavé parce qu'il a pris du coup la bonne taille. Et il a pas pris le modèle exactement que je voulais, mais il a pris dans le ton marbre. Et c'est un effet un peu rose et doré. Elle est magnifique, c'est encore mieux que celle que j'avais choisie. Donc regardez, je vous montre, elle est juste trop belle. J'ai eu également ma coque pour mon nouveau téléphone. Vous savez que je m'étais fait mon petit cadeau de Noël, moi, le Huawei P30 Pro. C'est la coque de La Belle et la Bête. Et je la trouve magnifique, vous savez que c'est un de mes dessins animés préférés. Bon, ça c'est que j'avais pris chez Orange en plus, parce que j'avais un avoir, donc ouais, j'ai pris ça. C'est une bague, c'est hyper pratique pour tenir le téléphone et tout. Mais la coque est magnifique, en plus c'est une matière mais ultra douce, enfin j'aime trop, du coup trop contente. J'ai eu, est-ce que vous êtes prêts, mon bonnet de chez Victoria's Secret. Je le voulais tellement celui-là, il est trop beau. C'est le noir avec écrit Victoria's Secret et le pompon blanc, il est somptueux. Regardez-moi ça, je suis in love de ce chapeau. Et en fait ce que j'aime, c'est qu'il tombe un peu derrière, et j'avais pas de bonnet qui tombe comme ça un peu derrière. Il est trop beau. J'ai eu 2 petites cartes trop jolies avec de l'argent dedans. Franchement, la petite hibou là, c'est ma maman, et ça c'est mon père. J'ai eu le parfum Jean-Paul Gaultier Belle que je voulais tant, qui est somptueux. Ça c'est mon frère aussi qui m'a offert en même temps que le bonnet. Je sais pas, il m'a pris le 50 ml, et ça suffit amplement. Il est somptueux, il sent divinement bon. C'est juste une tuerie, on dirait en plus un objet de collection tellement c'est beau. C'est bien présenté, les parfums Jean-Paul Gaultier sont toujours super bien présentés. Et également, alors attendez, à l'intérieur du petit sachet, un petit aimant de Paris, parce que mon père était monté sur Paris. Il m'a dit cet aimant pour le frigo, il m'a dit, m'a trop fait penser à toi, parce que c'est un peu comme les photos des instagrammeuses devant la tour Eiffel. Elles posent de dos et tout, enfin super bien fait, ça fait penser à la mode, c'est coloré. Il m'a dit c'est tout toi quoi, donc voilà, il me l'a pris et c'est des petites attentions qui font toujours plaisir. Et également de chez Jeff de Bruges, des chocolats, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont, vous savez que j'ai une passion moi pour les truffes. Et là il m'a pris des truffes au chocolat noir, parce que j'adore, j'adore, mais les truffes
c'est mes chocolats préférés. Donc une petite boîte gel de Bruges avec des truffes. Voilà, et en dessous il y a des truffes, j'ai failli faire tomber, il y a des truffes au marc de champagne. Donc celle au marc de champagne j'ai jamais goûté, donc j'ai hâte de goûter ça. Mon chéri en a goûté une, il m'a dit qu'elle était super bonne. En plus gel de Bruges c'est super bien présenté à chaque fois dans les petites pochettes et tout. J'adore leur chocolat. Regardez comme c'est mignon. Youp. Et enfin mon chéri m'a pris, elle est trop contente, il m'a pris mon ensemble de chez Adidas. Donc ça c'est la veste et c'est la collaboration du coup avec Kyuruchi. Et donc il m'a pris la veste en taille 36, elle est magnifique. J'ai enfin un survêtement classe et qui fait quand même habillé rouge comme ça. Il est trop beau, je suis trop happy. Et également le pantalon survêt qui va avec, mais c'est une matière franchement ultra agréable à porter. C'est pas une matière survêt comme il est vraiment trop beau, regardez les poches derrière et tout. Je suis littéralement fan et le pantalon il me l'a pris en taille 40 et c'est juste ma taille parfaite. Il est magnifique, je suis trop happy, j'ai été bien gâtée. Et voilà, on a passé un super moment, que ce soit hier soir ou aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez profité. Noël est déjà arrivé, c'est déjà fini, je suis dégoûtée parce que j'ai pris plaisir à vous filmer une vidéo par jour. Même si des fois c'était dur avec le travail et tout, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, on remet ça bien entendu l'année prochaine, peu importe où je serai. Mais c'est clair et net que le mois de décembre c'est le mois préféré de l'année, que j'aime trop faire avec vous, préparer les fêtes de fin d'année et tout. Donc voilà, trop contente. Moi en tout cas je vais vous laisser ici. Limite je suis émue tellement ça va me manquer en fait de plus filmer une vidéo par jour. Mais dites moi si ça vous intéresse et dites moi quel mois vous aimeriez que je passe une vidéo par jour. Parce que franchement faire des vlogs tous les jours je pourrais le faire, sauf qu'avec le travail c'est ultra compliqué. Et des journées où je travaille de 8h à 20h, je vois pas ce que je peux vous montrer trop sur ma pause de travail où je mange. Et le soir quand je rentre chez moi à 20h, bah, effectivement il y a moins de choses à faire. Je rentre, je mange, prends la douche, après je suis capote. Donc voilà, j'ai fait un effort quand je travaillais pour les vlogmas, mais toute l'année ouais, c'est compliqué. Mais dites moi si vous avez un mois particulier, genre février, mars ou autre, pour couper un peu au milieu, qui vous donnera envie que je fasse des vlogs tous les jours. Je peux pas le faire toute l'année avec le travail, c'est pas possible. Je travaillerai pas encore, je pourrais le faire, mais là c'est pas possible du tout. Écoutez, dites moi vous ce que vous avez eu en cadeau. Vous trouvez mon petit moumou, on est rentré. Faut que j'aille échanger par contre un jouet de mon neveu, parce que je lui ai offert un micro, vous savez, The Voice, que j'ai acheté à Pickwick Toys. Malheureusement le micro ne fonctionne pas, alors je comprends pas s'il y a un défaut, je sais pas du tout. Donc ouais, faut que je me renseigne auprès du magasin. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et non pas demain. Joyeux Noël à tous. Bisous.